Shalom. Soyez bénis. Comme d'habitude, je suis en train de faire mes partages. Veuillez partager à votre tour. Sois béni, Belinda. Sois béni, Belinda. Sois béni. Que Dieu bénisse tous ceux qui mettent des cœurs, qui mettent des étoiles, qui partagent. Que Dieu vous bénisse tous. Alors, partagez, partagez, partagez. Shalom, shalom, shalom. Dieu vous bénisse abondamment. Sambro katara bra kuturo bre kasante reke tara bra kuturo ko maraba shibidigo ndebe ko shara bra kanturo bre kasante reke ino moharabashe. Bonsoir, 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 chers internautes, bonsoir, chers frères et sœurs. Quelqu'un me dit le son est faible. Quelqu'un me dit le son est faible. Vous m'entendez bien? Si vous m'entendez, mettez les cœurs. Si vous m'entendez bien, mettez les cœurs. Quelqu'un me dit le son est faible. Je n'ai même pas commencé à parler. Alors, le son est bon? Alors, ok. Guy Serge, le son est mieux? Tu m'entends mieux? Et Dieu vous bénisse. Mettez les cœurs, partagez. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Que la puissance de Dieu vous environne. Je suis heureux ce soir encore de partager ce moment avec vous. Permettez-moi de diminuer le son de la musique. Je suis votre serviteur, le bishop Melchisedec, connu sous le nom de Atia Normal. Votre serviteur, votre esclave en Jésus-Christ. Ce soir, nous sommes mercredi. Et je vous avais dit que mercredi, si Dieu permettait, nous allons faire un direct d'appel où vous pourriez appeler pour rendre témoignage de ce que Dieu a déjà fait pour vous. Et pendant ce direct aussi, vous pouvez appeler pour donner un sujet de prière. Nous allons essayer de nous accorder une heure du temps. À peu près 30, 40, 45, une heure. Ne pas dépasser une heure ce soir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Je remercie le Seigneur pour les témoignages qui me parviennent. Je remercie le Seigneur pour les miracles qu'il est en train de faire dans la vie de beaucoup de personnes. Je suis désolé pour les personnes qui veulent me rencontrer. Vous savez, il fut un temps où voyager était quelque chose que j'aimais beaucoup. J'étais tout le temps en train d'aller de gauche à droite. Dans le mois, je pouvais me déplacer deux ou trois fois. Aller dans tel pays, aller dans tel pays. Je ne sais pas si c'est l'âge. Mais en ce moment, je suis plutôt plus dans la méditation, dans la prière que le voyage. Donc il y a des personnes qui veulent me rencontrer, qui aimeraient que je vienne dans leur ville. Il y a même une dame qui souhaite que je vienne l'aider à implanter une église dans une région de la France. Et mes fils qui sont en Afrique, dans certains pays que je ne vais pas citer parce que je suis un peu discret
dans ces temps-ci, dans beaucoup de choses, qui me représentent et qui aimeraient bien que je vienne finaliser avec des programmes pour faire à soi l'œuvre. J'aimerais ce soir vous dire que, enfin, m'excuser auprès de vous et vous dire que je ne suis pas le jeune aigle qui s'envole tout le temps. Je suis un vieux aigle qui s'envole. Je vais dire un mot qui va vous déranger, par télépathie. C'est sous inspiration que je m'envole. Voilà, je n'ai pas vraiment besoin de me faire voir partout en ce moment. Même à distance, je fais ce que Dieu me dit de faire. Mais je viendrai. Mes deux fils qui sont en Afrique centrale, l'église sera implantée. La sœur qui m'a laissé le message pour implanter l'église dans sa ville, je t'appellerai. Et tous ceux qui voulaient me rencontrer face à face, on verra. Si c'est la volonté de Dieu, on se verra. Alors ce soir, je voudrais que vous vous contentez des directs que nous faisons. Vous savez, il y a plusieurs étapes, plusieurs saisons dans la vie d'une personne. Et je suis à une saison, je suis à une étape et je marche selon la direction du Seigneur. Je suis convaincu que lorsque je m'assois après mes moments de prière et que je viens partager avec vous quelque chose, je suis convaincu que vous recevez. C'est pourquoi les témoignages qui me parviennent sont nombreux. Et ce soir, j'espère que les frères et sœurs qui laissent des témoignages inbox seront présents pour appeler et rendre leurs témoignages sur ce direct. Voilà. Parce que vous rendez les témoignages inbox, c'est bien, mais rendez vos témoignages aussi en direct pour que vos frères et sœurs puissent aussi en bénéficier. Voilà. Donc ce soir, nous allons passer un moment d'appel. Appel téléphonique, témoignage et sujet de prière. J'aimerais que les témoignages soient plus nombreux que les sujets de prière. Parce que quand on dit que c'est un direct d'appel, il y a beaucoup de personnes préfèrent appeler. Là, je ne respire pas. C'est-à-dire que là, ça appelle seulement. Parce que voilà, c'est sujet de prière en direct. Il n'y a pas question de réception dedans. C'est bien. Il faut profiter de l'occasion. Mais là, j'ai envie d'entendre beaucoup de témoignages parce que Dieu a fait des choses pour vous. C'est pourquoi je ne vais pas trop parler. Je ne prêche pas ce soir. Je ne prêche pas. Je vais juste prendre les appels, écouter les témoignages, écouter les sujets de prière et prier avec les personnes. Permettez-moi juste de rendre gloire à Dieu. Sois béni, Belinda. De rendre gloire à Dieu par un psaume. Le psaume 103. Si quelqu'un peut écrire psaume 103. Je veux rendre gloire à Dieu avec le psaume 103. Voilà. Continuez de partager massivement le direct. Continuez de mettre des cœurs. Voilà, le psaume 103 est le psaume pour moi aujourd'hui ce soir pour rendre gloire à Dieu avant qu'on commence. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre de ta vie, de la force, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. L'Éternel fait justice, il fait droit à tous les opprimés. Il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse, il ne garde pas sa colère à toujours. Dieu n'est pas rancunier. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous punit pas selon nos iniquités, mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions, comme un père a compassion de ses enfants. L'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés.
Il se souvient que nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur des champs. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Et le lieu qu'elle occupait ne la reconnaît plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. L'Éternel a établi son trône dans les cieux et son règne domine sur toutes choses. Bénissez l'Éternel, vous ses anges, qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Mon âme bénit l'Éternel. Oh, mon âme bénit l'Éternel. Bien-aimé, l'Éternel a fait beaucoup de choses pour toi et l'Éternel en fera encore plus. Tu peux me dire amen. Avant que les appels ne commencent, je veux déclarer dans la vie d'une personne que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Ton miroir n'est pas la langue des humains. Ton miroir n'est pas la bouche des humains. Ton miroir n'est pas le regard des humains. Ton miroir n'est pas ce que les humains disent de toi. Ton miroir se trouve dans l'amour de l'Éternel, dans la parole de l'Éternel. Et l'Éternel déclare qu'il t'aime. Ce soir, je vais dire à une personne, le Dieu que j'honore, que je sais, est celui qui surpasse toutes choses. Bien-aimé, le Dieu que je sais te connaît personnellement. Et il va t'identifier. Il va te localiser. Il va agir d'une manière spécifique et spéciale dans ta vie. Écoute-moi bien. Tu n'es pas en retard. Oh, le mot retard n'existe pas dans mon langage. Vous savez, oh, c'est un moment de témoignage. Appelez quand vous voulez. Moi, je ne prêche pas aujourd'hui. Je parle un peu seulement. Vous savez, lorsque j'ai commencé à servir Dieu, j'ai vu des gens en avance. J'ai vu des gens dont on parlait. J'ai vu des gens qui étaient comme des exemples. En ce moment-là, je pouvais me dire que j'étais en retard. En ce moment-là, je pouvais dire que j'allais jamais avancer. Mais une voix me disait, c'était la voix du Seigneur. Une voix me disait, c'était la voix du Saint-Esprit. Une voix me disait, tu es mon serviteur. J'étais oué, j'étais choisi. Je t'enverrai partout dans les nations. De la manière que tu t'es promené et que tu as fait du mal autour de toi, tu te promèneras pour faire du bien aux autres. Les nations, comment faire pour parcourir les nations? Mais à ce moment, je pouvais ne pas croire à ces paroles. Mais Dieu me le disait, bien-aimé, lorsque le temps de Dieu est arrivé, j'ai sauté. Il y a des hommes qui ont connu la gloire avant moi. Il y a des hommes que je regardais comme ça. Mais lorsque le temps de Dieu est arrivé, Dieu m'a dit, c'est le temps de t'envoler comme l'aigle. Je donne ce témoignage pour dire à une personne, tu n'es pas en retard. Quelqu'un m'entend? J'aime bien répéter cela. Tu n'es pas en retard et tu n'as pas échoué.
Un échec ne veut pas dire que c'est la fin. Deux échecs ne veulent pas dire que c'est la fin. Trois échecs ne veulent pas dire que c'est la fin. Même 10 échecs ne veulent pas dire que c'est la fin. Même 100 échecs ne veulent pas dire que c'est la fin. Tant que tu respires, tu n'es pas encore à la fin. La Bible elle-même déclare, les premiers seront les derniers. Les derniers seront les premiers. La Bible déclare que prends garde. Toi, tu crois que tu es assis. Parce que tu peux tomber. Et puis une autre personne va prendre ta place. C'est pourquoi, bien-aimé, il ne faut jamais te minimiser. Il ne faut jamais comparer ta vie à la vie d'une personne. Il ne faut jamais comparer ta destinée à la destinée d'une personne. Tu peux surprendre ta génération. Tu peux surprendre ceux qui n'ont jamais cru en toi. Tu peux surprendre ceux qui t'ont maudit. Tu peux surprendre ceux qui se sont moqués de toi. Tu peux surprendre ceux qui n'ont jamais cru en toi. Il y a une chose que tu dois garder. La foi en Dieu et la confiance en toi-même. Et tu iras jusqu'au bout. Que l'Éternel bénisse tous ceux qui m'entendent ce soir. Je suis convaincu que quelque chose est en train d'être fait pour toi. J'attends vos témoignages. Il y a des personnes pendant les directs de ces temps-ci qui ont reçu des manifestations. Il y a même une sœur qui a appelé pendant le direct, je l'ai localisé et elle avait un problème d'enfantement. Son témoignage me touche. Ce matin, elle m'a écrit parce que j'ai prié après pour elle. Une bosse. Je lui ai dit, tu vas commencer à... Le ventre va couler. Ce qui est mauvais va commencer à sortir. Elle me dit, homme de Dieu, j'ai fait la diarrhée, j'avais plus de force d'aller au travail. Mais je suis allé quand même. Je dis, ouais, ça a commencé. Les témoignages parviennent. Et cela me prouve que Dieu existe. Est-ce que toi aussi ce soir, le Seigneur a déjà fait quelque chose pour toi? Et tu veux rendre témoignage. Est-ce que toi aussi ce soir, tu veux ce soir donner un sujet de prière, un sujet de prière pour voir la main de Dieu dans ta vie? Le standard est ouvert. Ceux qui veulent témoigner peuvent appeler. Et ceux qui ont un sujet de prière peuvent appeler. Il faut que ça soit court, le sujet de prière. Il faut que le sujet de témoignage soit aussi résumé. Ne dites pas forcément votre nom. Ne dites pas qui vous êtes. Vous appelez, vous rendez votre témoignage. On n'a pas besoin de savoir qui vous êtes, votre nom et prénom. Gardez-le pour vous. Voilà, c'est pour votre propre sécurité. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Le standard est ouvert. Je prie que toute personne qui m'entend ce soir soit exaucée. Et je prie que ce moment soit un moment divin pour la vie de tout un chacun. Je demande aux administrateurs du site de mettre le numéro de téléphone parce que certaines personnes ne vont pas lire l'énoncé. Le numéro est sur le titre, sur l'énoncé. Alors celui qui n'a pas le numéro, il peut aller sur l'énoncé. Entre-temps, avant que les gens appellent, parce que je ne sais pas comment terminer ce direct, je voulais dire aux personnes qui ont commandé les savons et les produits sur le site, la livraison a commencé. Voilà, la livraison a commencé. Donc, vous aurez très, 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 très bientôt votre colis chez vous. Voilà. Ceux qui n'ont pas encore laissé leur adresse, laissez votre adresse à la secrétaire. Voilà. Parce que les livraisons ont commencé. Pour votre savon de déblocage, pour vos savons, pour tout ce que vous avez choisi comme élément. Voilà. Les choses ont commencé. Donc, que Dieu vous bénisse abondamment. Maintenant, c'est à vous. Mahobro et Chakabro Kosada. Voilà. On n'a que presque une heure. Donc, si vous appelez pas maintenant, vous êtes assis en train de manger votre plakali, votre foutou, votre riz.
moi j'ai pas mangé, je vais m'asseoir. Et que vous finissez, vous vous lavez les mains. Et que c'est là où vous voulez appeler. À ce moment-là, le direct est fini. Voilà. Donc, là, il me reste presque 30 à 40 minutes pour terminer le direct. Donc, après le direct, on n'appelle pas, on ne dit pas, ah, j'étais pas prêt, je voulais, j'étais ceci. Il y a même des gens qui disent qu'ils étaient dans le transport, donc ils n'ont pas pu appeler. Dans le transport, tu peux appeler. À Paris, là, tout le monde parle dans le métro. Tout le monde parle dans le métro, tout le monde parle. Donc, si tu as quelque chose à dire, tu peux appeler et dire ce que tu as à dire. Que Dieu vous bénisse. Merci. Allô? Allô? Oui, bonjour. Ouais, bonjour, je comprends pas. C'est moi qui appelle ou c'est vous? Parce que comme ça sonnait. Ou bien vous avez appelé et puis. J'appelais déjà. Ah, d'accord. Sois béni. Oui, j'appelle pour témoigner. Oui. La dernière fois qu'on a fait. On a mélangé l'eau et du parfum. Oui, avec le sel. Avec le sel. Oui. Au moment où vous étiez en train de prier. Oui. Mes mains ont commencé, mes pieds d'abord, ont commencé à trembler. Oui. Et ça chauffait, ça chauffait. Et quand vous avez dit non, n'enlevez pas les mains. Et que vous priez. Je sentais mes pieds qui chauffaient. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est? Après, je suis allée me laver, je me suis couchée. C'est là, les mains ont commencé aussi. Les mains ont commencé. Donc, c'est les deux parties me chauffaient, ça me fatiguait toute la nuit, ça m'a fatiguée toute la nuit. Et j'étais fatiguée parce que je n'arrivais même pas à dormir. Je cherchais à me consoler avec le mur ou quelque chose comme ça. Donc, c'est la preuve que vraiment... C'était puissant ce que vous nous avez demandé de faire. Et ben voilà mon témoignage, quoi. Ok. Je vais prier pour toi. Tu as traversé beaucoup d'épreuves dans ta vie. Tu as même rencontré presque la mort parce que tu as traversé beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était une grande épreuve. Tu as lutté, tu étais entre la vie et la mort. Et aujourd'hui, Dieu veut te restaurer. Mais la manière dont Dieu va te restaurer, il va aussi faire de toi quelqu'un pour restaurer d'autres personnes. C'est pourquoi, pendant cette action prophétique-là, tu as senti une visitation très forte. Le Seigneur veut renouveler en toi tout ce que tu as perdu. Le Seigneur veut renouveler en toi toutes les grâces que tu as perdues. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je te restaure maintenant. J'ai une question à te poser. Est-ce que souvent tu te sens essoufflé? Oui. Ok. Je veux que tu... Est-ce que là où tu es assise, tu peux juste me prendre un verre d'eau?
Est-ce que tu as le verre d'eau? Ok. Je veux que tu souffles trois fois dans ce verre. Attends, l'esprit me dit sept fois. Souffle sept fois dans le verre d'eau. Quand tu finis, tu dis Amen. Ok. Maintenant, je parle à cette eau. Je commande à cette eau de renouveler ton organisme, d'agir en toi. Je commande à cette eau d'agir maintenant, de restaurer tout ce qui a été touché dans ton organisme. Que le Seigneur te redonne toute la force que tu avais perdue. Que la grâce de Dieu soit sur toi maintenant, à l'instant même. Je prie que tu commences à vivre la force de l'esprit dans tes mains, dans tes pieds, dans ta tête. Que l'ennemi qui agissait contre toi, qui a atteint ta vie, ne puisse plus jamais l'atteindre. Au nom de Jésus, je commandais à cette eau d'agir en ta faveur. Elle m'obéit par la puissance du nom de Jésus. Elle m'obéit par la puissance du nom de Jésus. Elle m'obéit par la puissance du nom de Jésus. Maintenant, bois cette eau maintenant. La boîte. Comme tu veux, tu peux laisser le reste pour après. Ok. C'est bon, tu as bu? Oui. Pose ton verre. Quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur est en train de renouveler maintenant ton être. Le Seigneur est en train de renouveler ta vie. Tu sais, il faut être fort parce que il y a une onction qui va commencer dans ta vie. Les gens vont croire que tu fais exprès. Les gens ne vont pas comprendre. Mais Dieu, parce que tu es sorti de la maladie, tu es sorti dans les mains de la mort, Dieu te donne le don de guérison. Même quand tu pries pour quelqu'un à distance, Dieu va agir. Même quand tu pries pour quelqu'un à distance, Dieu va l'accomplir. L'Esprit de Dieu va te réveiller parfois au milieu de la nuit, à des heures où tu dors, tu n'auras plus sommeil. Tu vas avoir un sujet fort dans ton esprit pour lequel tu dois prier. Tu vas voir le nom des gens. Tu ne sais pas, tu ne les connais pas, mais Dieu va te dire, prie pour telle personne. De fois, tu vas voir l'image d'une personne que tu ne connais même pas. Dieu va te dire, prie pour cette personne. Il y a quelque chose qui va commencer avec toi maintenant. Tu as déjà vu les prémices, mais ça sera fort. Merci Saint-Esprit. En ce moment où je suis en train de parler, tes pieds sont très chauds et lourds, très chauds et lourds. Tes mains sont comme du feu en ce moment où je suis en train de parler. Tes pieds sont très chauds et lourds. Tes mains sont comme du feu. Il y a une force qui est en train d'agir sur toi maintenant même. Chikabra. Que cette onction continue d'agir dans ta vie. Que cette onction continue maintenant. Quand tu finis, on va finir le direct complètement.
J'aimerais que tu touches chacun de tes enfants. Tu le touches avec ta main. Et tu parles pas. Tu parles dans ton cœur. Tu fais la prière dans ton cœur. Tu les touches comme si c'était pour juste les toucher ou les faire un câlin ou juste les toucher. Et tu pries dans ton cœur. Tu vas leur communiquer quelque chose. Tu vas leur communiquer la grâce. Au nom de Jésus. Amen. Merci, Saint-Esprit. Une autre personne veut appeler. Alors, bien-aimé, je suis en train de regarder l'écran de mon ordinateur. Vous n'avez pas partagé le direct. C'est vrai, vous mettez beaucoup de j'aime, beaucoup de commentaires. Il y a 123 commentaires. Il y a 48 j'aime. Là, il y a 38 personnes qui regardent. Et il y a 25 partages. Il y a 25 partages. Je suis désolé, mais je risque d'arrêter ce direct très vite. Je ne peux pas. Là, je parle parce que je ne suis pas trop content. Je ne peux pas faire un direct de ce genre de prière, venir m'asseoir, prendre mon temps pour libérer la grâce de Dieu sur votre vie. Et vous ne prenez même pas le soin de partager même à 10 personnes, à 20 personnes. Quand vous allez sur les directs de critiques, de guinzainerie ou de je ne sais pas quoi, ou d'insultes, vous partagez à des milliers de personnes. Vous venez sur un direct de prière pour recevoir, vous ne partagez pas. Quand je commençais à parler de 25 partages, je me retrouve à 32 partages. Normalement, un direct pareil devrait être à 1000 partages, 2000 partages, parce que c'est votre manière d'agir pour aider d'autres personnes. Mais si vous regardez le direct que vous ne partagez pas, comment est-ce que les autres personnes vont savoir que Dieu est en train de faire quelque chose ici? En réalité, vous savez comment j'appelle ça? J'appelle qu'en fait vous abusez de mon onction. J'appelle de sorte que, en fait, ça veut dire que vous profitez et vous bafouez mon onction. Et c'est pourquoi, de un moment, j'ai commencé à ralentir un peu les directs. Parce qu'on ne peut pas s'asseoir, prendre son temps pour les gens, donner son énergie. Vous ne savez pas quand l'onction sort de quelqu'un, comment il se sent après. Et moi, j'ai l'habitude de fois de ne pas me précipiter pour manger avant de venir faire mes directs. Donc, vous ne pouvez pas comprendre comment la personne se fatigue pour vous. Tout ce que vous avez à faire, c'est juste partager. C'est pas compliqué. Vous avez des amis, des centaines d'amis sur votre Facebook. Vous avez des groupes. Vous êtes sur WhatsApp. Partagez juste le direct, c'est ce qu'on vous demande. Est-ce que pour ça, on doit faire un débat encore? Hein? Comment vous pouvez regarder un direct et puis on est là, on voit 25 partages. Et 32 vues, 25 partages, 14 vues. Et puis vous partagez, si tout de suite là, je me mets à parler de politique, je me mets à parler de qui que ce soit là, vous allez venir partager à des milliers de personnes. Ce n'est pas ça. Moi, je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas politicien. Donc, j'espère que vous allez continuer à partager le direct. Dieu merci, il y a des gens de bonne foi. En parlant, ils ont partagé. On a 95 partages. J'aimerais que le partage monte jusqu'à 1000. Au moins aujourd'hui, montrez-moi que vous êtes des enfants de Dieu. Partagez jusqu'à ce qu'on atteigne 1000 partages. Que Dieu vous bénisse. Je vais prendre les appels maintenant. J'ai failli arrêter le direct. Hein. J'ai failli arrêter là. Parce que quand c'est moi, je suis arrivé à un stade où je ne veux plus trop parler. Je ne réponds pas à les injures, je ne réponds pas aux critiques, je ne réponds pas aux accusations, je ne fais plus de débat avec quelqu'un. Et je suis arrivé à un stade où je ne parle plus. Ça ne m'arrange pas. Je passe à autre chose. C'est comme quelqu'un laisse un commentaire, ça ne me plaît pas. Je supprime son commentaire, je le bannis de ma page, je ne cherche même pas à lui répondre. Je suis arrivé à ce stade où je ne perds plus mon temps. J'ai trop donné d'énergie. Voilà, je n'ai pas le temps à discuter, je n'ai pas le temps rester là. Donc, si vous n'avez pas envie d'écouter le direct, de faire le direct, moi, ça va m'arranger. Voilà, quelqu'un, je parle, toi, tu es en train d'appeler. Je suis en train de parler, tu appelles. Je vais crier sur toi, tu vas voir. Donc,
Si ça ne vous arrange pas, moi j'arrête le direct, je vais m'asseoir dans mon canapé comme vous êtes assis dans votre canapé, je vais regarder la télé comme vous êtes en train de regarder votre télé, et puis je vais me restaurer comme vous vous êtes en train de vous restaurer, parce que je ne suis pas esclave de quelqu'un, je suis esclave de Dieu, et je viens pour vous aider. Prouvez-moi que ce que je fais là, ça vous plaît. Aujourd'hui, j'ai un de mes fils à Paris, on veut faire un programme. On a fait le bilan du programme. La salle, les musiciens, tous ceux qu'on a, vous savez combien ça fait? 4 000 euros. Quand il m'a appelé, il dit, mais attends, un programme gratuit qu'on va faire pour les gens, c'est pas payant. On va dépenser 4 000 euros, 10, 20 personnes, 30 personnes vont venir s'asseoir, ça c'est jeter l'argent. Vous voyez, ça fait que les hommes de Dieu se découragent même maintenant pour faire l'œuvre de Dieu. Parce qu'on fait l'effort pour vous, vous ne faites rien. Vous êtes concentrés sur les directs de oui, on a parlé d'Alassane Ouattara aujourd'hui. Alassane Ouattara a envoyé l'armée. Et puis vous allez faire quoi, Alassane? Vous allez le faire quoi? Vous allez le chasser? Vous allez faire quoi? Ça va changer quoi? Telle personne a divorcé avec un tel. Telle personne dit ne veut plus marier à un tel. C'est ça qui vous intéresse. Vous partagez du matin au soir, comme si c'était vraiment une offrande même que vous faites. Mais quand vous venez pour l'œuvre de Dieu, là où on vous apporte la vie, là où on vous apporte la parole, vous asseyez, vous écoutez, simplement, ça me plaît d'écouter, voilà, aucun partage, aucun like, je suis content. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est de la sorcellerie. En fait, vous faites semblant d'aimer l'homme de Dieu, vous ne l'aimez pas. Un homme de Dieu ne peut pas évoluer sans que vous le souteniez, financièrement et en toute chose. Quand on parle d'un homme de Dieu, on dit il est comme ça, il est ceci ou cela. C'est parce qu'il y a des gens derrière. C'est parce qu'il y a des gens qui se sacrifient. La plupart du temps, ceux qui ont des églises, des salles à Paris, vous savez ce qu'ils font? Ce sont les enfants spirituels qui prennent des crédits. Ils se mettent ensemble à 10, à 20, à 30. Et ils se portent garant. Ils prennent crédit pour que leur pasteur ait une salle. Pour qu'il y ait des chaises dans la salle. Pour qu'il y ait la sono dans la salle. Ils se mettent ensemble. Ils prennent un crédit sur 4 ans, sur 5 ans, pour aider leur pasteur. Ce n'est pas le pasteur qui s'élève tout seul. On dit, un pasteur, il a une grande église. Ce n'est pas l'argent du pasteur qui a fait l'église. Ce sont les gens qui ont décidé, les fonctionnaires qui sont dans l'église, des gens qui travaillent qui sont dans l'église. Ils se disent, ah, je vais prendre un crédit. Vous dites que vous aimez un homme de Dieu, vous ne pouvez pas le soutenir. Même simplement liker, vous ne savez pas liker. Partager les directs, vous ne savez pas. Mais vous suivez cet homme de Dieu, pourquoi? Vous le suivez pourquoi? Pourquoi vous le suivez? Si vous ne pouvez pas le faire avancer, c'est que vous êtes des sorciers qui êtes là pour le retarder. Vous ne pouvez pas faire d'offrande. Vous ne pouvez pas aussi liker. Vous ne pouvez pas aussi partager. Hein? Si 10 personnes se lèvent aujourd'hui, ou 20 personnes, 50 personnes se lèvent à Paris pour dire, moi, j'accepte de m'engager. Chaque fin de mois, je vais payer par exemple 50 euros pour une salle. Mettons-nous ensemble, allons voir telle personne, le banquier pour prier. Vous croyez qu'il n'aura pas salle pour prier pour les gens? Mais vous voulez que ce soit l'homme de Dieu? Moi, j'ai fait des programmes où j'ai mis l'argent dans ma poche tout seul. J'ai pris la sono, j'ai tout pris. Et les offrandes n'ont même pas atteint 30, 30, comment on appelle? Oh, tu devrais même pour donner l'argent même au groupe musical, c'est un problème. Je l'ai fait. J'ai dit à un pasteur aujourd'hui. J'ai dit à un pasteur aujourd'hui, si à cause de ce que je ne prends plus mon argent pour faire programme, Dieu ne veut plus que je rentre au ciel et n'a qu'à garder le paradis. Parce que mon argent que j'ai pris pour faire programme, moi seul, payer sono, payer ceci, et puis les gens viennent s'asseoir, ils en profitent jusqu'à ils s'en vont. Faites offrande, c'est 2 euros, 3 euros, 4 euros. Ils font comme s'ils laissent tous leurs argent à la maison. J'ai même dit à ce pasteur, je vais chercher la machine des cartes bleues là maintenant pour les programmes. Celui qui dit n'a pas espèce, il va payer carte bleue. Et puis il a rigolé. Pourquoi? Parce que vous aimez trop profiter. Vous aimez ce qui est facile. Vous aimez ce qu'on vous donne facilement. Quand un homme de Dieu est ouvert, matin, midi, soir, vous l'appelez. Pourtant, il y a des gens, vous partez vous asseoir dans leurs églises, vous donnez 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros. Vous faites tout. Ils ne vous ont jamais reçu 2 secondes. Ils vous ont jamais reçu 1 minute. Mais lorsqu'un homme de Dieu est trop ouvert, lorsqu'un homme de Dieu est trop simple, lorsqu'un homme de Dieu prend son temps pour vous, vous croyez qu'il est bête. Vous croyez qu'il est con. Vous croyez en fait que vous pouvez faire ce que vous voulez. Comment vous pouvez vous asseoir sur un direct pareil et vous ne pouvez pas partager
à chacun de vos amis. Vous ne pouvez pas partager à vos groupes. Vous ne pouvez pas partager. On est obligé de venir vous dire de partager. Ça, c'est de la sorcellerie. Mais les mêmes personnes vont écouter un direct sur la Côte d'Ivoire, un direct de révélation sur un tel, un direct sur la politique. Ils vont tout de suite venir partager comme si c'était du pain. Vous êtes enfant de Dieu ou bien vous êtes enfant du diable? Pourquoi les choses de ce monde vous intéressent plus? Pourquoi quand on parle de string ici, ça vous intéresse? On parle de ventre ici, ça vous intéresse? On parle d'homosexualité ici, ça vous intéresse? Pourquoi quand on parle des choses du monde, c'est là que vous partez multiplier les partages? Vous mettez des étoiles, vous mettez des partages, vous soutenez comme il faut. Mais quand il s'agit de Dieu, on est obligé de vous supplier. Je ne supplie personne. Celui qui ne m'aime pas, prends ton tabouret, va-t'en. Celui qui ne croit pas en moi, soulève ta chaise, disparaît. Celui qui ne croit pas en moi, je ne te donne pas le droit de suivre mon direct. Si tu suis mon direct, c'est que tu m'aimes. Et si tu crois en mon onction, alors partage mes directs comme si c'était toi qui parlais. Partage comme si c'était un devoir. Partage comme si tu étais obligé. Si tu ne partages pas, Dieu te voit. Tu es un sorcier. Si tu ne partages pas, c'est que tu es quelqu'un qui profite, qui vole l'onction des gens. Tu viens voler mon onction et puis tu es assis chez toi. Tu ne seras pas exaucé. Point final. J'ai fini de parler. Je suis devenu sage. Je ne gazine plus avant comme avant. Mais ce qu'il a dit là, c'est rentré dans vos oreilles. Que Dieu vous bénisse. Je bois un peu d'eau avant de continuer. Les chrétiens de maintenant sont plus qu'esprits de sorcellerie. Les chrétiens de maintenant, ils sont plus que démons de mystère. On ne peut pas les chasser. On ne peut pas les laisser aussi. C'est quoi ça? Ma soeur, tu as insisté pour appeler deux ou trois fois. Je suis en train de te rappeler, tu ne décroches pas. Ou bien tu as peur que je te guinzin. Je ne vais pas te guinzin, j'ai fini de parler. Si tu veux, tu rappelles. J'appelle d'autres personnes. Bonjour. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Bonsoir. Allô? Je vous écoute. Bonsoir. Ok. Oui, parle un peu fort, mon frère. Je t'entends très, très, très faiblement. Je vous suis depuis là. Je suis vous direct. Je vois que vraiment, vous êtes un roi de Dieu. Que Dieu vous utilise beaucoup. Voilà, il y a un problème. Il présente depuis... Je présente les concours et rien ne marche. Chaque année, je suis à plus de 9 concours. Je présente chaque année et ça ne marche pas. Tout dernièrement, le concours qui est présenté, c'est le concours de l'INFES. Ce n'est pas encore sorti, c'est le système de l'INFES. Je vois que j'ai présenté, les résultats ne sont pas encore sortis. Mais comme je fais les examens, ça ne marche pas. Donc, je t'appelle pour que vous priez pour moi. Ok. Oh, tu aurais dû m'appeler, chercher à prendre rendez-vous avant ce concours. Tu l'as passé quand le concours? Le 20 de ce mois, le 20 novembre, ce samedi, 20 novembre. C'est ce samedi que tu as passé le concours? Oui. Bon. Moi, tout cas, quand on appelle ça le truc, de ce samedi, là, le vendredi, là. Il est fait aussi avec nous, là. L'action prophétique. L'action prophétique, voilà. D'accord. Il a fait ça. D'accord. C'est dur, hein. Je vais prier pour toi. Je suis serviteur de Dieu. Je ne suis pas là pour décourager les gens. Mais je pouvais crier facilement pour te dire
Tu as exaucé, ça va, c'est même. Pendant que tu me parlais, je ressentais vraiment un gros, 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 gros combat. Un gros, gros, gros combat. En fait, on a décrété sur ta vie que tu ne réussisses pas. C'est comme si quelqu'un t'a maudit. Et c'est quelqu'un qui avait de l'autorité sur toi. C'est quelqu'un qui avait, il y avait un lien familial. Quelqu'un qui avait de l'autorité sur toi. Et dans une grande colère, la personne t'a dit des paroles. Tu n'as pas peut-être pris au sérieux, mais ces paroles étaient des paroles de malédiction, ça te suit. Ouais. Hein? C'est vrai, tu peux m'en dire plus. Allô? Ouais, je t'écoute. Allô? Oui. Voilà. En fait, au moins, j'étais élève. J'étais chez une prêtresse. Elle est céleste, chrétienne céleste. Voilà, elle me forçait à aller dans son église. Elle me forçait à aller là-bas. Donc, on partait plus d'où. J'ai vu que les parties là-bas, là, vraiment, ne m'intéressent pas. Donc, quand je suis parti, ça n'a pas plu à la prêtresse. J'ai du mal à penser. Elle a prononcé des paroles. Ces paroles sur ma vie. Ok. Ça me va droit au cœur. Cette femme-là, tu l'appelais maman, non? D'accord. Même dans un soldat. Un son, c'est comme si qu'on appelle ça, mais il y a vu un son où elle était avec ses enfants, par exemple, l'un de ses fils même, qui a payé d'études en terminale. Voilà. Et ce dernier, il y a vu un son où elle me disait que non. Que moi, tant que moi, il doit 600 000 fois. Tant qu'il rembourse pas ses sommes, il n'est pas reçu un copie. Mais allô? Le problème, ouais, tu es dans un endroit où il y a du bruit, hein. Ça va? Le problème, oui, tu m'entends? Le problème, c'est que, en réalité, c'est ton étoile et ton bonheur que cette femme prenait pour donner à ses enfants. Et il y avait une initiation, une action qu'elle devrait faire. Et cette action-là, si elle faisait là, en réalité, toi-même là, tu allais devenir comme un fou. Tu allais même plus pouvoir faire quoi que ce soit. Et ses enfants allaient vraiment percer et réussir. Et comme Dieu t'aime, l'ange même qui veille sur toi aussi a fait de sorte que tu as refusé. Tu as senti que c'est pas, tu peux pas rentrer dans les trucs comme ça. Donc, c'est comme si tu as gâté. Tu as gâté ce qu'elle a fait. Ça veut dire quoi? Elle a dépensé même. Elle a dépensé. Elle a acheté. Elle a acheté des choses, des éléments. Tu m'écoutes? Elle a acheté des choses. Il y a des pagnes, il y a des parfums, il y a plein de choses qu'elle avait achetées. C'était comme une cérémonie. Et ce qui allait se passer, c'est que lorsque toi, tu allais aller comme si tu t'es converti, ils allaient faire comme si c'était une fête. Et c'est là que on allait tout te prendre. Mais Dieu qui t'aime a fait que tu n'as pas accepté. Ça veut dire que c'est comme si tu as gaspillé son argent. Et ça l'a fait mal. Ce n'est pas le fait que tu n'es pas allé dans son église qui l'a fait mal. Hein. C'est le fait que elle n'a pas pu prendre ton étoile et en plus tu l'as fait gaspiller de l'argent. C'est pour cela que cette femme t'a maudit.
Et c'est ça qui te suit. Sinon, tu es quelqu'un de très intelligent. C'est ça, Tu es papa. quelqu'un qui est Exactement, c'est né ça. avec une grande étoile. Oui, Est-ce que c'est tu vrai, m'as papa. déjà appelé? Toi et moi, on s'est déjà parlé. M'a dit de prendre le numéro de votre secrétaire, ben, j'essaie avec mon comptable. Ouais. J'essaie de faire arrêter le numéro, ça ne passait pas. Ok. J'ai contacté plusieurs reprises, j'ai pas pris. Mais Donc, je c'est vais pour dire ça que je que demande. je vais dire c'est la première fois comme ça qu'on parle de comme ça d'un sujet. Ok. C'est Ok. ça, mais c'est la première fois. Dieu est en train de localiser, de montrer d'où vient ton problème. J'ai des actions prophétiques que Dieu est en train de me montrer. Oh my God. Allô? Oui, allô, allô, Bishop, J'ai des actions prophétiques que Dieu est en train de me montrer. Quand tu vas faire ça, tout sera brisé. Tu es dans quelle région? Tu es à Abidjan? oui, cher ami, bien présent, cher ami, pour vous précisément. Ok, tu es à Abidjan. C'est bon. Oui, je suis là-bas, parce que je suis là par rapport aux Faut complications pas que trop là, parler, fils. Je suis à en mon réveil. esprit. Si tu poses, je pose une question, faut Ok. répondre à la question. Faut pas trop parce que tu vas me perturber, s'il te plaît. Donc, ok, merci. Tu es à Abidjan. Tu es à Abidjan. Quand le direct va finir, je vais te donner des recommandations parce qu'il y a des actions prophétiques que je ne donne pas en direct. Si je suis serviteur de Dieu, si je suis oint de Dieu, de la manière que le Seigneur a ouvert mes yeux et puis j'ai vu ton problème aujourd'hui, quand tu vas faire cette action-là, ça va aller. Amen. On va briser tout ce qu'elle a fait. Même toi-même, tu vas réussir plus que ses enfants bientôt. Donc, n'y a pas de souci. Tout à l'heure, quand je finis le direct, et tu m'as parlé de ma secrétaire tout à l'heure, tu as eu son numéro ou pas? Je te redonnerai le numéro. Tu l'appelleras pour un rendez-vous. L'action que je vais te donner tout à l'heure sera une action que tu vas faire rapidement. Ce soir-là, c'est déjà tard. Mais au plus tard demain, jusqu'à ce que la nuit de demain tombe, il faut que tu fasses cette action. Et après, quand tu vas prendre rendez-vous, je vais te donner une action prophétique que tu vas faire sur une période d'une semaine à peu près. Parce que les actions, la femme n'a pas simplement parlé, elle a fait beaucoup de choses derrière et ça t'a vraiment bloqué. Quand j'ai commencé à recevoir les révélations, j'ai failli dire que c'était ta mère, parce que j'entendais maman. Et heureusement que tu m'as bien expliqué, parce que cette femme, tu l'appelais maman, tu la considérais comme ta mère. C'est la soeur même de ma maman. C'est la sœur de ta maman. Monsieur Jean, sa cousine sont des cousines. Des cousines, bon, Pour tu que je vois. prenne monsieur le trouver chez elle, et puis bon, on appelle D'accord. Ok, tends ta main vers moi, je vais prier pour toi. Tends ta main vers l'écran. Seigneur, je te prie pour ton fils maintenant. Me donne pas ton nom de famille, je veux juste ton prénom. Allô? Non, prénom, prénom seulement. mon prénom c'est Boudin. Modeste, Mon dans le nom de... prénom Allô, allô, allô. Dans le nom de Jésus, je prie maintenant pour Modeste. Je prie que ta grâce le touche. Boudin. Seigneur, tu le Mon crois. prénom c'est Boudin. Amen.
Est-ce que... Attends, attends, frère, allons doucement. Répète. G G. A. A Ouais. Oui. Goudens. Ok. Ok, c'est bon, frère. C'est bon, c'est bon. J'ai compris, t'inquiète. Dans le nom de Jésus, par la puissance du nom de Jésus, je tiens sa vie maintenant. Seigneur, sous l'onction du Saint-Esprit, je le retire de toute malédiction. Je détruis, Seigneur, tout ce qui a été fait. Je parle à la mer, car je vois la mer. Cette femme a fait des incantations au bord de la mer. Elle s'est déshabillée et elle a maudit. Elle s'est déshabillée et elle a maudit au bord de la mer. Elle s'est tournée vers l'est, vers l'ouest. Elle s'est tournée vers l'ouest et elle a déclaré que tant que le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest, que sa vie ne brille plus jamais. Cette femme l'a maudit. Je la vois au bord de la mer, aux environs de minuit, entre minuit et 1 h du matin. Elle s'est déshabillée pour maudire ce jeune homme. Maintenant, je détruis cela. Je renvoie à la mer tout ce qui est sorti comme esprit contre lui. Je le libère maintenant. Je le délivre maintenant. Je le détache maintenant. Je commande maintenant que le mur qu'ils ont mis autour de lui, les chaînes qu'ils ont mis contre sa vie, soient brisées au nom de Jésus. À l'instant où je prie, que toute malédiction qui a été déclarée contre sa vie soit nulle et sans effet. Au nom de Jésus, j'ai prié. Komarabashé. Amen. Tu es là? Allô, tu es là? Oui, je suis là, je suis là. Je suis là. Ok, j'ai fini de prier pour toi. OK. Je vais te laisser un audio. Il y a une action que tu dois faire rapidement. Je vais OK, te papa. laisser un audio. OK. Ça va aller. Il n'y a pas plus, papa. Sois béni. Merci, papa. Vraiment, papa, que Dieu vous bénisse. Amen. À bientôt. Dans l'encore avec votre ministère. Amen, amen. Merci beaucoup. Sois béni. Amen, papa. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, mon père. Oui, tu as essayé de m'appeler. Oui, j'essaie de vous appeler quand vous êtes en direct là. Oui. Voilà, vraiment, je voudrais que vous voyez aussi au niveau de mes projets aussi. Voilà, je ne comprends pas. Je t'entends un peu faiblement. Hein. J'ai dit, voilà, au niveau de mes activités, il n'y a rien qui bouge, quoi. Non, vraiment, je voudrais que vous voyez un peu ce côté-là. Tu es à Abidjan. Oui, ça, bien. Ok. Mais toi, tu devais plus être à Abidjan depuis un moment. Je ne sais pas si tu avais fait les démarches ou quoi. Mais toi, tu devais Ouais, pas. j'ai Je, tu as fait des démarches pour quitter Abidjan, ça n'a pas marché. Ça, mais vraiment, il y a rien qui bouge au niveau des trucs. Bon, à chaque fois, tout ce que je fais, il n'y a rien qui bouge. Parce que ton étoile se trouve même pas à Abidjan. Ton étoile se trouve pas en Afrique. Tu es né, je vois ton étoile sous deux aspects. Côté, on va dire business, commercial, business. Acheter des trucs, Exactement. hein? Je suis mécanicien. Ouais, ben écoute, voilà, côté business. Mais à part ça,
À part ça, je ne sais pas, est-ce que, à part cela, est-ce que tu aimes les choses artistiques? Non, j'aime pas ça. Vraiment que je suis mécanicien, c'est bonne voiture, des trucs comme ça que Ouais, j'aime. mais côté artistique, là, ça t'intéresse pas. Non, ça m'intéresse pas. Ça t'a jamais intéressé. Non, non. Ah bon? J'aime, mais je me donne pas à ça. Tu penses que ce n'est pas pour toi? Hein? J'aime les affaires, quoi. Le business, tout Ouais, les ça. affaires, là, j'ai déjà vu ça. Mais pourquoi tu fuis le côté artistique? Je n'ai pas dit chanteur, dit Garafa, tout ça. Mais pourquoi tu fuis le côté artistique? Vraiment, je suis beaucoup croyant. Bon, le lié là, c'est tout bizarre à son temps. Ah, c'est Voilà. à cause de la religion. Voilà, donc le lié, Tu j'ai déjà es appris ça. musulman? Oui. Donc, même produire un artiste là, si Dieu te bénit, ça va produire un artiste là, tu ne peux pas faire ça en tant que musulman. Non, je peux faire ça. Ça ne me gêne pas. Ça ne me pose pas de problème. Mais moi-même, chanter là. Non, je n'ai pas dit que. Quand j'ai parlé là, je n'ai pas dit que tu vas chanter. Hein. Oui. Parce que artiste, ce n'est pas chanter seulement. Hein. Oui. En fait, il y a quelque chose dans ce domaine-là qui peut te produire beaucoup d'argent. Ce n'est pas que toi, tu vas t'arrêter, chanter, on va t'écouter comme on écoutait Didier Arafat. Mais, Voilà. par exemple, aider un artiste, produire un artiste, se mettre, ça va être dans ce côté-là, quoi. Dès que je t'ai écouté, j'ai vu le côté business et j'ai vu ce côté-là. Vous n'avez pas menti parce qu'il y a plusieurs reprises, je rêvais à Alpha Blondy qui disait que quand je vais partir, tu vas prendre le relais. Ah, Ouais, à j'ai plusieurs pas. reprises, tu as rêvé au vieux père, Alpha Blondy. Oui, qui me disait, ça dit, bon, prends le relais. Et puis, bon, quand j'étais derrière lui, il y a l'argent qui versait derrière moi comme si j'étais en train de ramasser. Il y avait du monde, il y avait des femmes, tout ça. Ok, je vais te donner l'idée, je vais t'expliquer ce que je vois. Oui. Quand j'ai dit côté artistique, tu as eu peur, tu as cru que c'est pour chanter, chanter, non. Oui. Écoute-moi, si tu as l'argent, il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Si tu peux ouvrir même un petit studio d'enregistrement dans un quartier, Oui. pour aider des jeunes artistes, essaye, tu vas voir. Essaye simplement. Je sais que bon, il y a la religion. Si tu es un bon musulman, chanter, tout ça, c'est pas trop vos trucs. Ça, je comprends. Je peux Oui. comprendre. Mais des jeunes qui ont des talents, que toi tu t'es mis Oui. derrière, que tu as aidé, mais toi tu vas pas, ton nom va sortir, tu vas même pas l'argent là, tu vas compter jusqu'à, c'est pas possible. Ouais, mais côté familial, bon, vraiment tout ça, ça me fatigue. Ça va être tout ce que je fais, ça ne me Non, convient pas. laisse, attends, j'arrive. Laisse ça. Toi-même, tu as rêvé Alpha Blondy. Il dit que tu vas prendre sa place. Il y avait beaucoup d'ailleurs. Tu crois que c'est pourquoi tu as fait ce rêve? C'est significatif. Oui, je Et rêvais à plusieurs reprises. à plusieurs reprises en plus, c'est un message que tu recevais. Parce que lorsque nous naissons là, chacun de nous a une étoile. Il y a des gens, c'est en étant planteur, cultivateur, ils vont s'en sortir. D'autres, c'est juste en travaillant dans le fer. D'autres, c'est en vendant de l'eau. Chacun a son truc. Justement. Mais toi-même là, tu es un homme d'affaires. C'est-à-dire que vendre, revendre là, ça c'est quelque chose, tu es né pour ça. Justement, parce que c'est une bonne voiture, bon, c'est ce que j'ai essayé, je vois que ça marche plus. Donc, à chaque fois quand je dois obtenir quelqu'un qui veut me faire, quand on n'est pas poteau, il y a des difficultés. Maintenant, Maintenant, le problème, d'où viennent tes blocages là? C'est familial.
Tu es d'une grande famille, ton père a fait combien d'enfants? Nous sommes six. D'une même Mais il y a femme. un qui est... Non, nous sommes cinq, je crois. Il y a un qui est décédé, on est resté quatre. Il avait une seule femme. Non, non, non. On avait trois femmes. Je suis le seul de mon côté, côté de ma mère. Les autres, là, ils sont deux ou trois. Donc, il avait trois femmes. Toi, Oui, il avait tu es trois le femmes. seul enfant de ta maman. Oui. D'accord. Ta maman était la quatrième femme. La deuxième. La deuxième. Ok. Je ne vais pas rentrer, je ne vais pas aller trop loin. Mais je vais te dire, je ne vais pas aller trop loin. Parce que les problèmes de famille, c'est pas, on sait pas, on rentre pas trop loin. J'ai un ami qui a révélé un jour à une femme que c'est sa maman qui tuait son enfant. Elles sont rentrées à la maison. Après la réception, elles sont rentrées à la maison. Elle prend machette pour braquer la maman dans la chambre. Vous dites, maman, donc c'est toi qui tues mes enfants. Tout le quartier est sorti pour demander pardon. Jusqu'à. Ben, la maman a confessé, heureusement. Il n'a pas tué la maman. Sinon, on lui dit, mais qui t'a dit de tuer la maman? Elle dit, non, c'est le monsieur là-bas là, qui m'a révélé. Il aurait eu problème. Il sera en prison actuellement. Donc, C'est pas comme ça. ce que je veux dire, c'est que ton problème est familial. Après, tu n'as pas besoin d'avoir des rancunes. Tu n'as pas besoin de chercher des vengeances ou quoi que ce soit. Mais ce que je vais te dire va t'aider. Tu es l'enfant de ta maman. Tu es né avec une étoile très puissante. Ta maman a beaucoup prié pour toi. Elle t'a désiré. Tu es l'enfant. Tu es son seul bonheur. Tu es tout pour elle. Mais ton étoile. Hein? Elle est décédée Mais. quand j'avais l'âge de 3 ans, 4 ans. Ok. Donc, ton étoile devrait. Ton étoile dérangeait beaucoup de personnes. Je vais dire, dans la famille, hein, je n'ai pas dit que les autres ne doivent pas réussir. Mais toi personnellement, là, tu étais né pour réussir même et relever le nom de ton père et cette famille. Et spirituellement, ça a été vu. Spirituellement, ça a été vu. Donc, il y a eu trop de passages chez les marabouts, trop de choses qui ont été faites. Ton nom est trop parti là-bas. Ils m'ont fatigué vraiment. Donc ça veut dire que je n'ai plus le courage, je n'ai plus la foi même à moi-même quoi. Et Ça tout va ce que je aller. fais, et dit, et ça va avancer. Ça Parce que va chaque aller. fois, je bah, Écoute-moi, ça va aller. Tu as eu confiance en moi, tu m'as appelé, tu es musulman. Mais tu c'est as eu pas le, moi qui l'ai essayé. voilà, tu as eu le courage, tu m'as appelé. Je te prends comme un frère. Ce n'est pas le seul musulman. J'ai des mamans, j'ai des soeurs, j'ai des hommes musulmans. Moi, je n'ai pas de problème avec ça. Exactement. Je vais t'aider dans la prière. Oui. Je vais enregistrer ton numéro et puis inbox, je vais te donner des conseils. Je vais te donner des conseils sur certaines choses, certaines actions que tu vas poser pour reprendre ta vie en main, pour repartir à zéro. Voilà. Donc, il faut pas. Et je suis convaincu que, comme on le dit chez vous, Inch'Allah, les portes vont Inch'Allah, oui. s'ouvrir pour toi. Les portes vont s'ouvrir pour toi. Parce que Oui, je tu vas t'ai pas l'apprendre. vu, je n'ai pas vu ton étoile même en Côte d'Ivoire ni en Afrique. Voilà. Tu Non, devrais. exactement ce que vous avez dit, vous n'avez pas menti, parce qu'une fois j'ai songé. Voilà, mais il disait que mon étoile, parce que j'étais amoureux d'une fille, donc j'étais derrière, ils m'ont dit non, que l'une de nos étoiles se trouve en Europe. C'est ce qui m'a été dit dans le songe. Ils m'ont dit non, que notre étoile se trouve en Europe là. C'est ça. Voilà. Donc, depuis étant petit, j'essaie de partir, ça n'a pas marché, donc j'ai Non. rejeté. Bon, après, c'est pas que je me suis mis, bon, là, ça m'a parlé, je ne comprends pas. La mécanique aussi, bon, ça, il n'y a rien qui pour faire. Tu étais attaché, mais la mécanique là, c'est pas trop ton truc. La mécanique, c'est un métier hein, pour toi. Vendre voiture là, c'est une très bonne chose. Mais tu as trop de trucs à faire. Quand ton business, le business même là, il y a d'autres. Quand ça va aller là, il faut rentrer dans les trucs vestimentaires aussi.
Grâce Elle à... devait arrêter la mécanique. Elle fait Voilà. ça pour attirer un peu Voilà. l'étude et ça pour Même si vendre c'est la voiture. pas toi qui t'assois dans un magasin, toi tu vas prendre des trucs en gros, en détail, tu viens déposer et tout. Et ça va aller. Un jour tu vas m'appeler, tu vas me rendre témoignage. Merci mon frère, je savais, donc j'attendais le jour de vous, pour vous appeler. Bon, mais chaque fois que je vais appeler, bon, il y a un peu. N'y a pas de souci. Vraiment, que la grâce de Dieu soit sur toi. Parce que tu m'as appelé aujourd'hui, qu'on a parlé. Que le ciel te soit favorable. Que le Merci ciel à te toi. soit favorable et que vraiment tout ce que tu désires au plus profond de ton cœur te soit accordé. Ce vendredi qui arrive là, fais tout pour donner quelque chose à un pauvre. Tu peux aller devant la mosquée, prends quelque chose, tu pries, tu parles à Dieu, tu donnes à un pauvre. Tu as le choix entre une femme veuve qui a des enfants, on s'en fout si c'est des jumeaux ou pas, ou tu as le choix entre une vieille personne, un vieux, vraiment qui est là, tu sais que c'est un vieux. Toi-même, ton esprit va t'orienter vers ces personnes. Tu vas sentir que c'est là que tu dois le faire. Donne-leur quelque chose qui te bénisse, qui te dise merci, tout simplement. Je te dirai d'autres choses, une bosse, je vais t'orienter et t'aider, ça va aller. D'accord, mon frère. Voilà. Que Dieu te bénisse, hein? À bientôt. Merci, merci. D'accord. Allô? Allô, bonsoir, papa. Bonsoir. Je voulais donner un petit témoignage là. Oh, il n'y a pas petit témoignage, c'est gros. En plus, c'est le premier témoin de la soirée. Donc, c'est un gros témoignage. Oui. En tout cas, un grand témoignage même. Ah, Un très grand témoignage. ah, vas-y, réjouis notre cœur. D'accord, papa, je me souviens. Je vous avais appelé pour dire vraiment, il y a mes enfants qui ne faisaient que tomber malade. Et puis vous m'avez dit, est-ce que je n'ai pas une tante qui m'avait dit que est-ce que je ne suis pas dans du miel? J'ai dit, effectivement, papa, tu n'as pas menti parce que il y a la soeur de mon papa qui disait, oh, mes soeurs étaient là, moi je ne suis pas avec eux. Que votre soeur là, vous pensez quoi? Elle est dans du miel, elle ne sait pas quand ça va finir. Elle les a dit ça directement. Donc, papa, comme ça, tu m'avais dit, bon, c'est qu'on va faire, on va mettre ça en prière, mais je vais te donner des choses que tu vas faire, des actions que tu vas poser. Et toi-même, tu vas voir, ce qui va l'arriver, tu vas savoir que c'est elle. Elle va avoir une maladie incurable. Papa, ce soir, je vais rendre le témoignage parce qu'elle a le cancer de l'anus, Oh! où elle ne peut pas se coucher, elle ne peut pas s'élever, elle ne peut pas marcher. À l'heure où il était. Wow! Donc, je voulais rendre ce témoignage. Dieu l'a frappé, hein? Mal. Papa, Mal. petit coco hémorroïde, mais ça fait mal. Là, c'est cancer d'anus même. Oui, t'ai dit, papa. Oh là là. Ma Ah, c'est ça. Mais elle, n'est-ce pas, hein? Elle continue tous les jours. Elle a fait que mon papa et ma maman, c'est le divorce maintenant. Non. Elle ne veut pas le voir, elle ne veut pas sentir ma maman quand ça arrive loin. Elle continue. Ça C'est fait comme ça. longtemps, ça fait longtemps que tu m'as pas appelé. C'est ça, non? Oui, ça c'est vrai. Ça vaut combien de Oui. temps? Bon, ça peut faire quelque chose de 3 mois comme ça. 3 mois. Ok. Je vais t'expliquer un truc in boss. D'accord, papa. Tu as terminé ce problème-là. Je vais t'expliquer une action in boss. Tu as compris? Oui, papa. Donc, quand je vais finir le direct, normalement après le direct, je ne veux pas trop qu'on m'appelle, mais quand je vais finir le direct, envoie-moi un message pour ne pas que j'oublie. D'accord, papa. D'accord. Et il faut aussi faire une semence. Tu as rendu témoignage, je suis content. Mais fais une semence, fais une offrande, fais une semence de reconnaissance à Dieu.
Tu fais ça, tu parles à la secrétaire. Quel que soit ce que Dieu te met à cœur, selon tes moyens, fais une semence. D'accord. Voilà. Tu parles avec la secrétaire. C'est important. Mais D'accord, papa. quelque chose va se passer. T'inquiète pas. Quand on tue Amen. le serpent, quand sa tête est remuée, sa tête est en train d'être écrasée, il remue sa queue. Donc tout Amen. ce que elle fait en ce moment, faut pas considérer. C'est quelqu'un qui est Non. en train de partir, qui se débat. Voilà, on souhaite pas la mort des gens, mais si elle se repent pas, c'est C'est pas ça. bon pour elle. Ça, la seule C'est ça. chose qui peut l'aider, c'est de se repentir. Parce que le cancer d'hémorroïde là, c'est toutes les chairs humaines, les mal qu'elle a fait, les choses qu'elle a consommées concernant, c'est tout ça qui devrait sortir de cet endroit-là. Dieu l'a donné ça symboliquement pour lui dire le C'est ça. mal que tu as fait aux autres là. Regarde ce que ça va te donner dans l'endroit où ça doit sortir. C'est ça. Vraiment que Dieu te bénisse, qu'il te protège et Amen. envoie-moi un Amen. message tout à l'heure. Sois béni. Amen, papa. Merci, papa. Je vais prendre deux personnes qui ont insisté et puis je vais prier pour vous. On va s'arrêter là. J'aimerais bien entendre des témoignages ce soir, des témoignages, des témoignages, des témoignages. Il y a 153 partages. Ça a augmenté un peu, mais je ne suis pas satisfait. Allô? Bonsoir. Sois béni. Je vais rendre un témoignage là. Oui, on t'écoute. La fois dernière, on m'a fait l'action avec l'eau, sel et puis le parfum. Je me suis lavé, j'ai pris, je me suis lavé, je suis allé, j'ai pris aussi pour aller dehors, pour aller. Maintenant, le reste là, vous nous avez dit d'écrire nos sujets de prière et puis de déposer dans l'eau. Et 2 jours après, je regarde, c'est le bord de la feuille en train de se rouiller. Ça m'a étonné. Je ne sais pas. C'est en train de se rouiller, ça se rouille. J'ai regardé encore le matin là. Hey, pourquoi c'est comme ça? Bon, voilà, bon. C'est ce que j'ai constaté, c'est pour ça que je vous appelle. D'accord. Bon, le sujet que tu as écrit là-haut, c'est des sujets de combat spirituel ou c'est des sujets juste de demande comme ça? Délivrance. Ah, donc c'est combat spirituel. Délivrance, c'est combat spirituel. Ah. De ma vie, parce que rien ne va dans ma vie, Ok. mes papiers sont Faut pas être bloqués. long. Faut pas être long. Moi, D'accord, tu m'as répondu déjà. C'est d'accord, papa. sujet de combat spirituel. Délivrance, c'est combat Alléluia. spirituel. Alléluia. Donc, le sujet que tu as écrit, la feuille est en train de rouiller. Il faut être content. L'Esprit de Dieu est en train de détruire tout ce qui est négatif. Tu as prié pour quelque chose, tu as déposé la feuille, non? Et la feuille, le bout là, de la feuille, comme si ça se rouillait. Depuis quand une feuille peut rouiller comme ça dans de l'eau? Oui, c'est Donc, ça que tu c'est m'as en train de appelé. rouiller. C'est un signe pour te dire que ton sujet là, le mal qui était derrière toi là, ce qui te bloquait là, ça dit que là, ta délivrance là, en train de... c'est un ange qui vient à chaque fois comme s'il mettait du feu dessus. Hein. C'est Alléluia. ça qui est en train de se passer. Donc, c'est un bon signe. Normalement, quand c'est Merci. comme ça, là, vous ne devrez pas rendre témoin seulement. Vous devez m'envoyer une offrande pour que je boive de l'eau. D'accord, papa. D'accord, papa. Non, mes enfants D'accord. spirituels sont trop méchants. C'est pas, je parle que toi, tu es Non, méchante. Hein. papa, ça va aller. Non, je ne vois pas vos Ça va offrandes. aller. Aïe! Papa, ça va aller. Ça Les va aller. offrandes là sont Ça va cachées, aller. cachées comme ça. On ne peut pas tout dire, On papa. dirait œuf de aigle.
Que Dieu te bénisse abondamment. Merci, papa. Que ce que Vraiment, le merci. Seigneur a commencé, il le termine. Que sa grâce soit puissamment dans ta vie. Et que le Seigneur Amen. continue ce qu'il a commencé. Que cette délivrance Amen. opère au nom de Jésus. Amen. 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 Quel est ça, papa? Sois béni. Vous qui me laissez les témoignages inbox, alors papa, je remercie le Seigneur. Quand tu avais prié, bon, je suis parti. Ça, c'était comme ça. Oui, ça s'est bien passé. Tout inbox là. Et puis qu'on fait direct des témoignages, je vous vois pas là. Maintenant là, quand vous laissez un audio, je vais supprimer. Je vais même pas écouter pour savoir si c'est témoignage, si c'est sujet de prière. Je vais même pas écouter parce que vous êtes nombreux à laisser des témoignages inbox. Maintenant, quand on vous dit de venir à témoigner sur le direct, on vous voit plus. On dirait votre téléphone est gâté. Alors. Oui, bonsoir. Bonsoir, papa. Moi, c'est Hervé. Oui. Et ça fait 21 ans que je suis en France. Et tout ce que je fais, c'est la honte, c'est l'humiliation. Il n'y a rien qui va. Je suis humilié dans ma propre famille. Je suis humilié autour. En fait, partout où je respire, c'est l'humiliation. Toujours, je sors par la petite porte. Et là, en ce moment, il n'y a rien qui va. J'ai réussi à aller faire un entretien d'embauche à Chambéry. J'attends le résultat. Le document, tout est bon. Parce qu'en ce moment, je n'ai pas de travail en tant que tel. Donc, je n'ai pas de réponse. Et ma vie personnelle, même rien ne va. Je ne sais même pas où mettre la tête. Est-ce que, excuse-moi, je vais mettre mon chargeur, la batterie est en train de monter, mon ordinateur est en train de se décharger. 2 minutes. Ok, papa. Ok. Est-ce que tu as déjà pris rendez-vous avec ma secrétaire? D'accord. Ça, c'est une bonne chose. Logiquement, j'ai insisté cette semaine-là, Ouais. et quand je l'ai eu, elle m'a donné rendez-vous pour ce vendredi-là à 15 h. Ok, c'est bon. Elle dit que tu allais m'appeler. C'est Et bon. puis voilà. Et même ce matin même, toi-même, tu m'as appelé et tu m'as Ah. donné ce rendez-vous-là. Voilà, c'est moi que tu as appelé ce matin, en fait. C'est Comment tu m'as toi. appelé ce soir? C'est ça. T'avais laissé un message quand j'étais pas là sur mon téléphone. J'étais en train de consulter les messages audio que j'avais reçus. Et comme je ne connaissais pas, mais c'était un 07. Hein. C'était un 07. Parce Voilà. que, en fait, le 07, là, il ne fait pas WhatsApp. C'est celui-là Ah, qui fait WhatsApp, en fait. d'accord. Et c'est celui-là que, c'est ce numéro-là que la sécurité a quoi, en Ok, fait. il n'y a pas de souci. Celui qui finit par 58. Il n'y a pas de souci. Si tu as Parce que. rendez-vous avec la Ouais. secrétaire, sois tranquille, sois en paix. Je vais prier pour toi. Voilà. Voilà, papa, je t'explique quelque chose. Là, actuellement, là. Si on appelle, on m'appelle pour dire que quelqu'un est malade là, moi-même j'ai appelé la personne pour dire que tu vas mourir. Pourquoi? Parce que là, en fait, même 1 euro, il n'y a pas moyen. En fait, je peux avoir 1 million d'euros aujourd'hui. Mais 1 million avant que ça Bon, tombe dans ma main, c'est mais tu fini. sais, on ne peut pas tout régler sur le direct. C'est pourquoi je t'ai laissé le temps de m'expliquer. Maintenant Oui. que je suis en train de parler, il faut me laisser parler aussi. Ok. Aujourd'hui, je comprends ton poids, je comprends ton fardeau. Je sais que ce n'est pas facile. Et je sais que c'est vraiment parfois. Je ressens ça. Faut pas t'en faire. Faut pas t'en faire. À partir du moment où tu as eu rendez-vous, on aura le temps de parler, on aura le temps de parler, de prier. Il y a une seule chose que quand tu étais en train de parler tout à l'heure, le Seigneur m'a mis à cœur. C'est juste une question que je voulais te poser, que Dieu m'a dit de te poser. Et tu vas répondre à cette question. Oui, papa. La question c'est, Oui. est-ce que
Si le Seigneur te débloque, te sort de cette situation difficile, tu offriras ta vie entièrement au Seigneur. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a demandé de poser cette question, mais j'ai l'impression que l'appel de Dieu est sur ta vie aussi. Et j'ai l'impression que tu as mis ça de côté parce que tu luttais déjà pour autre chose. Et c'est comme si Dieu, donc, a levé sa main, regardé que tu sois dans la confusion jusqu'à ce que tu comprennes. Parce que je sens que Dieu t'appelle. Et je sens que Dieu veut t'utiliser aussi. Et je sens que Dieu veut faire de toi son serviteur. C'est pourquoi, parce qu'une question pareille, l'Esprit de Dieu ne peut pas me pousser à te la poser pour rien. Il dit, demande-lui. Est-ce que si je le sors de cette situation, il m'offrira entièrement sa vie et il sera à mon service? Oui, papa, oui. Ok. Je vois de quoi, je vois de quoi l'Éternel, pourquoi l'Éternel me pose cette question. Ah bon? Donc, oui, je suis disposé Ok. entièrement. Ok. Sur ta parole, dans le nom puissant de Jésus, je prie ce soir, je déclare que les échecs tombe, je déclare que les difficultés tombent, je déclare que toute situation qui t'empêchait d'avancer recule maintenant, je m'oppose à tout esprit d'échec, je m'oppose à tout esprit de blocage, je m'oppose à toute puissance infernale, et je commande maintenant que le ciel de la faveur te soit ouvert. J'ai déclaré, et cette parole est scellée, tu vas commencer à entendre de bonnes nouvelles. Il y a des gens qui t'ont Amen. oublié, qui vont se rappeler de toi. Je vois qu'on est en train de Amen. t'étendre la main. Il y a des gens qui Amen. t'ont repoussé, qui vont se rappeler de toi. Au nom de Amen. Jésus-Christ, je sens maintenant que c'est arrivé. Il y a même des Amen. endroits où tu as voulu travailler qu'on n'a pas voulu de toi, mais tu seras appelé. Je suis en train Amen. de voir que Dieu t'ouvre les portes. L'Esprit de Dieu me Amen. dit que ce qui t'est arrivé, il y avait le combat spirituel dedans. Mais il y a des choses que Dieu lui-même a permis parce que l'appel de Dieu était sur ta vie, mais tu as mis de Amen. côté. Et c'est ça qui a Amen. été ton plus grand châtiment. Donc maintenant que tu as dit devant Dieu, devant les anges, devant moi, aux yeux de tous ceux qui nous suivent, que si Dieu te relève, tu vas lui consacrer ta vie, c'est fini, c'est réglé. Tu vas voir. C'est anormal. Tu vas voir. Toi-même, tu vas t'élever. Peut-être même à partir de demain matin, tu ne vas pas reconnaître ta vie. Tu vas dire, waouh, qu'est-ce qui m'arrive? Tu vas voir. Ça tient Ça toujours. tient, ça tient. Je vais te donner une nation Amen. prophétique à faire. T'inquiète pas. Mais Amen. tu vas voir. Tu vas rendre témoignage. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Amen. À bientôt. Sois béni, papa. Merci. Amen. Oh, si j'appelle pas, ma fille là, elle va se fâcher. Dernier appel, après on prie. Allô, bonsoir. Bonsoir. Sois béni, papa. Je reçois. Voilà, je vous ai appelé, c'est pour vous dire que l'eau qu'on avait fait avec le sel, le parfum, tout ça, il était jaune. Bon, jaune clair, quoi. Jaune. Il a changé. Ouais, jaune clair. Ah bon? C'est-à-dire, il a changé un peu de couleur. Oui. Donc, je fais toutes les trucs que vous nous avez dit, je les fais. Et lundi, quand je suis parti pour aller au travail vers 6h15, donc je me suis arrêté dans un petit café pour boire un café. Et je voulais sortir de la monnaie pour payer mon café. Puis à la fin, j'avais une petite pochette de parfum, elle est tombée, elle s'est cassée. Donc je dis, bon, ça fait rien, je laisse ça comme ça. Donc je suis parti à mon travail, tranquille, j'ai fait ma journée de travail, tout ça. Et mardi, pareil, je suis parti au travail, tout ça. Comme j'étais, avant que je vais aller au vestiaire pour me changer pour aller à ma pause, je voulais mettre un petit peu de parfum.
un autre parfum que j'avais, il est tombé, il s'est cassé aussi. Je me dis, c'est quoi ça? Et voilà. Donc après, je n'ai pas compris que c'était quoi. Je n'ai pas compris. Vous allez me trouver bizarre. Non. Mais c'est pas ça. Je comprends rien du tout. Mon Dieu, je rigole. Dieu. Ouais, donc en 2 jours, les 2 parfums sont cassés, quoi. Je comprends pas. Ah, tu vas me faire pleurer. Oh, mon Dieu. Tu es. Hey, mon fils, pasteur Gbagondo Ernest, ça c'est mon fils là. C'est mon bébé, pasteur. C'est pas mon bébé, il est grand maintenant, il est vieux. Excuse-moi, hein, je vois un de mes fils sur mon direct là. Ah! Il est devenu vieux maintenant, il est devenu grand-père. Grand-père, il a un grand-père spirituel de beaucoup de personnes. C'est mon fils. Oh, je t'aime, mon fils, sois béni. Il était encore au lycée ou au collège quand je l'ai connu dans une région de la Côte d'Ivoire, Ama. C'était mon disciple fidèle. Il était avec moi. C'était mon fils. Et aujourd'hui, je le vois, il est devenu un grand pasteur, un grand révérend en Côte d'Ivoire. C'est une très bonne chose. Je le vois sur le direct là. Et ça me touche le cœur. Sois béni, pasteur Gba. Que Dieu te bénisse. Alors, tu m'as appelé ce soir pour me dire, pour, non, attends, laisse l'eau là, on va pas de parfum, pour me dire qu'en une semaine, je sais pas combien de choses, tu as cassé deux petits parfums. Les petites chantilles encore. Oh, je rigole. Tu veux que je te rembourse? Non, c'est pas ça, quand même pas. Oh, je rigole. C'était juste pour te. Mais écoute-moi. Non, c'est pas ça. La manière tu m'as expliqué, le petit parfum est tombé dans le café. Après, oui? L'autre est tombé où? Dans mon vestiaire. Vestiaire. Ok. Oui, quand je suis parti me changer. Ok. Mais c'est bien. C'est pas mauvais. Amen. Non, c'est pas mauvais. Je rigole, mais c'est pas mauvais. Faut pas croire que c'est une malédiction. Tu comprends? Souvent, la terre réclame certaines choses. Et toi-même, là, ta vie, ton corps, c'est la terre. C'est par la poussière de la terre que Dieu a formé notre corps. Deux fois, tu peux être en train de boire un verre. Tu ne sais pas pourquoi, on dirait que quelqu'un t'a arraché le verre dans la main. Sa veste, tu ne sais même pas pourquoi ça veut. Ah, mon verre est versé. Deux fois, il ne faut même pas se plaindre. C'est vrai. Deux fois, tu es là et puis tu as bien posé un verre d'eau ou un verre de je ne sais pas quoi. Tu ne sais pas comment tu t'es arrangé, c'est tombé, c'est cassé ou bien c'est versé. Souvent, sois tranquille. Sois tranquille. C'est vraiment rien. Le parfum est symbole de bonne odeur. Et le parfum, ça représente le changement, la bonne odeur, le nouveau départ. Donc, bon, c'est pas des gros parfums, c'est des échantillons de parfums qui sont tombés à des endroits spécifiques. Voilà, c'est laisse comme ça. Bénis Dieu. Va pas chercher le diable dans ça. Il n'y a rien. Voilà. Amen. Maintenant, ton eau qui est devenue jaune là, ça aussi c'est rien.
C'est normal. Laisse l'Esprit de Dieu travailler. Amen, amen. Je le laisse Voilà. travailler. Il n'y a Laisse pas de l'Esprit de souci. Dieu travailler. Il ne faut pas avoir peur, il n'y a rien. Que Dieu te Ok. bénisse. Que la... Par contre, j'ai un point de côté droit qui me fait mal. Alors, enfin, tout Semblable. le temps qu'on a passé pour parler des parfums là, on ne peut plus prier pour point qui fait mal. Hein. Désolé. Désolé parce que je voulais dire en même temps, Non, mais toi-même là, c'est j'aurais parce que tu ne compris. fais pas beaucoup d'offrandes, tes parfums sont cassés. Je ne voulais pas Non, mais te dites, moi je veux faire, je suis généreuse, hein, comme j'aurais dû faire. Je suis généreuse, moi. Tu aimes les parfums, non? Tu aimes les parfums, Ouais, non? j'aime les parfums, Alors. j'aime tout qui est classe. Hein. Bon, voilà. Et quand ça tombe, que ça se casse, ça t'a fait mal, non? Ouais, non, Bon. parce que c'est pas un grand flacon, ça c'est du petit échantillon, Donc, tu hein, veux qui que s'est le emballé, grand s'est flacon se cassé. casse aussi? Ah non, là ça va pas mal, oui, parce que j'ai acheté cher. Hein. Celui-là, non, pas Faut du faire tout, hein, offrande. reste normal. Le jour que j'ai fait l'action prophétique, là, quand j'ai fait l'action prophétique avec vous, je vous ai dit une parole. J'ai dit, ceux qui se sentent touchés, après une action prophétique, normalement, on fait une semence, on fait une offrande. Je n'ai pas forcé, hein. Je n'ai pas dit aux gens, faites telle action. Je vous ai laissé libre avec l'Esprit de Dieu. Il y a quelqu'un qui a appelé la secrétaire qui a fait une semence. La plupart d'entre vous avez reçu cette action pour faire, oh, l'Esprit de Dieu m'a visité, oh, ma feuille est devenue rouge, oh, l'autre temps. Mais vous n'avez même pas pensé dans votre esprit, Non, moi attends, j'ai attends, pas attends, vraiment attends, touché. attends, Allez-y. attends, Oui, attends, attends, attends. allez-y, parle. Vous n'avez même pas pensé dans votre esprit, après cette action prophétique-là, je vais faire une semence, même si ce n'est pas beaucoup là. Quand on fait une action prophétique, il faut toujours sceller. Voilà. C'est vrai. Donc, c'est des signes même que Dieu même te donne. Voilà. Il n'y a pas de souci, Depuis là, j'attends la depuis fin. c'est dans ma tête là, je voulais te dire, je dis pas. Parce que je laisse les gens libres. Moi, je suis arrivé à un stade où je laisse les gens libres, l'Esprit de Dieu leur parle. Donc, quelqu'un ne va pas s'asseoir demain pour dire, ah, il m'a dit de faire ça, il a dit de faire ça. Toi-même là, si Dieu ne te parle pas, si tes choses sont bloquées, c'est ton problème. Parce que moi, je suis là. Quand je suis là, souvent, Dieu me dit, envoie ça à ton père spirituel. Il me dit, fais telle offrande. Il me dit, fais. Donc, si Dieu me parle à moi, c'est qu'il peut parler aux autres aussi. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui va toujours dire, envoie ceci, envoie cela, envoie cela. Après une action prophétique, il faut toujours s'aimer. C'est important. Ça c'est vrai, c'est OK. normal, c'est tout à fait normal. Que Dieu te Non, j'attends bénisse. seulement l'appel, il Ah, vient et OK. j'irai faire quelque chose. Bon, Ne vous inquiétez là, pas. allô? Là, le temps est vraiment avancé. J'ai dépassé mon temps pour le direct. Tu prendras juste de l'eau après. Tu pries dessus avec le psaume 91. Tu souffles trois fois sur l'eau. Et puis tu bois par rapport à ton endroit qui te, l'endroit qui te fait mal. Tu pourras me laisser un audio après pour me dire comment tu te sens. Que la grâce de Ok, Dieu soit papa. sur ta vie. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, papa. Merci beaucoup. Ouais, sois béni. Bon, le direct est fini. Enfin. Ah, ceux qui m'ont appelé sur le numéro normal, c'est sur WhatsApp que je reçois. Et là, il est déjà trop tard. On a dépassé, ça fait presque 2 heures qu'on est là. Je voulais faire juste 1 heure. J'ai débordé. Le problème, c'est que quand on commence les directs, je suis désolé, je suis désolé. Quand on commence les directs, on vous dit d'appeler, vous n'appelez pas. La plupart d'entre vous, on a dit 21h, vous n'êtes pas là. Et c'est au milieu du direct que ça commence à appeler, vers la fin du direct, que ça commence à appeler et ça bouffe le temps. Ça bouffe le temps, ça bouffe le temps. Il y a des gens qui se sont assis là depuis 21h. Qui ont envie aussi de passer à autre chose. Certains même sont venus du travail, peut-être n'ont même pas encore pris la douche. D'autres aussi n'ont pas mangé comme moi, ils vont manger. D'autres doivent retravailler demain. Donc il faut qu'ils s'apprêtent, ils préparent leur truc. Donc je ne peux pas rester là pendant 3 heures du temps, bloquer des gens. Soyez fidèles. Quand on dit que le direct est à 21h, quand on dit que le direct est à 21h, c'est 21h. Quand on dit que le direct a truc, voilà. Moi, je peux être un peu en retard, mais vous soyez là. Dès qu'on commence, on a commencé et on termine. Donc, je suis désolé, je ne peux plus prendre l'appel.
parce que les appels sont longs. Quand vous parlez, je ne peux pas vous couper et puis on est obligé de continuer. Alors, je vous recommande d'aller sur notre site www.3fois.myriadefrance.net. Allez-y chercher votre savon, votre huile, allez chercher vos affaires de grâce et de bénédiction. Les livraisons vont commencer. On commençait demain déjà, je vais à la poste pour livrer les premières personnes qui ont fait leur commande. Donc, voilà, ils rendront témoignage. Je prends le temps. Tous les éléments que vous avez sont des éléments consacrés et bénis. Ce n'est pas simplement du savon qui vient, ce n'est pas simplement du sel ou de l'eau, et ce n'est pas simplement de l'huile. Ce sont des choses consacrées. Je ne vous dis pas que ça vient de Jérusalem ou du tombeau de Jésus-Christ, non. Mais ce sont des éléments consacrés dans mon sanctuaire. Ce sont des éléments qui sont bénis, avec des huiles et des parfums bénis. Voilà, que Dieu vous bénisse. Visitez notre site internet, la boutique est là. Ceux qui veulent avoir du temps pour prier avec moi, contactez la secrétaire. Contactez la secrétaire. Le numéro de la secrétaire sera affiché. Contactez-la au 0033 6. Voilà. 0033 6 24 08 56 89. Donc, contactez la secrétaire et prenez rendez-vous pour qu'on prie ensemble. Je suis désolé pour la personne qui est en train d'appeler que je ne peux pas prendre parce que ça va nous faire avancer encore. Je suis vraiment, vraiment, vraiment désolé. Prochainement, venez vite. Et puis surtout, partagez les directs. Nous sommes à 153 partages. Je ne suis pas satisfait. Maintenant, je vais frapper un peu fort là-dessus. Et je répète, si tu n'aimes pas mon onction, tu ne peux pas me faire avancer. Tu ne peux pas soutenir mon ministère. Tu ne peux pas faire la publicité de mon ministère. C'est que tu ne m'aimes pas. Va chez les autres. Voilà. Et puis laisse le peu de personnes, les 10 personnes, les 20 personnes qui m'apprécient, qui croient à mon onction, qui vont me laisser avancer là, prendre la place, je vais avancer avec eux. Voilà. Que Dieu vous bénisse puissamment. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Tendez la main vers moi pour une prière finale. Tendez la main vers moi pour une prière finale. Seigneur, merci pour ce moment que tu nous donnes. Merci pour l'occasion que tu nous as donnée. Merci pour ta grâce. Merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour tes enfants qui ont rendu témoignage. Et pour ceux, Seigneur, qui rendront témoignage plus tard. Merci pour tous les sujets qui sont montés à toi. Au nom de Jésus. Amen. Si Dieu veut, notre prochain direct sera le vendredi. Vendredi à 21h. Soyez à l'heure. Vendredi à 21h, notre prochain direct. Soyez à l'heure. Que la grâce de Dieu soit sur votre vie. Shalom.